Hey, garçon, je suis rentré. Je suis tout seul. Bah, il est où l'autre? Il fait les courses. Bah, vos boosters de merde, jusqu'à mon bureau, il m'emmerde. Ma collègue, elle en avait un sur son siège. Ah, oh, bah, j'en connais une qui s'est levée du pied gauche. Et moi, j'en connais une qui va les placer dans les grelots du Père Noël s'il me lâche pas la grappe. Non, elle est où ta collègue? Bah, elle est chez elle. Bah, elle m'a donné le booster. Donc, change-moi les idées. J'ai une journée pourrie, donc fais-moi rire. Mais comment? Ben, je sais pas, raconte des blagues. Oh, je sais, tu la connais, celle du paf le chien? Oui, traverse la route, il y a une voiture, paf le chien. Attends, j'en ai une autre. C'est l'histoire du toto, il va aux toilettes et... Non mais des vraies blagues. Ou alors, c'est l'histoire d'un pingouin qui rencontre un renne. Ensemble, en fait, ils se promènent le long de la banquise et là, il y a le renne, il tombe dans un trou. Sauf leur wesh, viens ou quoi, tout ça, tranquille, tu vois, ils se font la pince et tout. Et en fait, dans l'ours blanc, il chope le pingouin, il le bouffe et à la fin, il meurt. Mais c'est pas une blague, ça. Ah bon? Bon, bah, j'en ai une autre, sinon c'est l'histoire. Non, tu te la fermes. Je viens de choper une migraine. Tiens, prends-le, ton booster. Oh, merci. Et c'est ta gueule. Ah, mais quand même, ça fait si long. J'ai dit, tu te tais. Oh, je comprends pas, mes blagues, ils sont drôles d'habitude. Mais enfin, c'est pas grave, viens, je suis un petit mortel sans braser, ça fait plaisir, rien. Comme disent les petites filles dans convention. Je sais pas, c'est bizarre, c'est quoi cette mode encore des yaoi et tout ce genre de trucs. Moi, je comprends pas tout, hein. Je comprends pas tout, je me fais vieux. Donc, un petit mortel sans braser, on s'ouvre ça. On l'ouvre. Et on va espérer avoir de la luck. De la lucky, comme disent les jeunes. Avec un petit Amanoko Jacky. Un petit Springant. Ah, un Capitaine Springant. C'est pas mal. C'est encore du Springant. Du Metal Foss. Oh, une cigarette avec la tête de pont de la Force. C'est pas mal. C'est bien. On a beaucoup de luck sur ces ouvertures. Mais dans la luck. Canon en équation linéaire. Encore pendu. Là, il y a beaucoup, toujours du pendu. Une petite rituelle avec le dragon de la tempête des Archers, les Beaufort 9. Et l'ascendant du double avatar. On aurait pu avoir quand même une ligne double avatar, mais on l'a pas eu. On n'a pas toujours de la chance. Mais enfin, on a quand même une secrète, et ça c'est bien. Ça se voit, je sais pas ce que j'en pense, moi j'aime bien. Je suis content. Donc, bisous, tendresse et chocolat, puis bah, à demain en espérant que la blague de Toto qui tombe dans les cabinets, ça vous fasse rire. Non, mais il est vraiment pas drôle. Ah, à ce point. Alors, c'est l'histoire d'un viking qui rencontre... Ta gueule. Ou alors, c'est l'histoire d'un pingouin qui rencontre un renne. Ensemble, en fait, ils se promènent le long de la banquise et là, il y a le renne, il tombe dans un trou. Et en fait, au fond du trou, il y avait des pics, tu vois. Bon, ben, il est passé à essayer de mourir, mais il remonte. Ensuite, du coup, il croise un Pokémon, genre un petit Pikachu comme ça, qui se baladait sur la banquise, puis il fait, qu'est-ce que tu fous là, Pikachu? Puis il fait, bah, je sais pas, je fais mes vacances au pôle Nord, mais je me suis promis, je vais aller aux Bahamas, mais bon, je me suis retrouvé au pôle Nord. Bon, c'était pas pratique tout ça, tu vois. Puis, bah, du coup, ils continuent leur chemin, puis ils croisent l'ours blanc, ils disent, ouais, l'ours blanc, ouais, je viens ou quoi, tout ça, tranquille, tu vois, ils se font la pince et tout. Et en fait, bah, l'ours blanc, il chope le pingouin, il le bouffe, et à la fin, il meurt.